Bonjour, c'est dimanche et aujourd'hui on cuve. Denis Lagarde, ça va, tes couilles prennent beaucoup de place? Je vais pas t'écarter comme ça. Quoi? Non. Oh, c'est lundi. Et j'ai une semaine un peu spéciale parce que je travaille lundi, mardi sur site. Mercredi en télétravail. Et jeudi, on part à Dublin avec Dominique. Pour la fierté ours là-bas. Et en plus, le 21 mars, c'est vendredi, c'est mon anniversaire. Donc, je pense au début de semaine, il ne va pas se passer grand-chose, mais il doit y avoir un petit peu de contenu fin de semaine. Bisous. Eh bien, je reviens de chez le médecin, et donc la maladie inconnue que j'avais, c'est la grippe. Voilà, c'est aussi bête que ça. On m'envoie des vidéos de torture de chat. Ouais. Ils font... Je vais faire pipi. Fin du travail. Et aujourd'hui c'est mardi, donc c'est la mardi guéri. Non, j'y vais pas. Ben oui, j'ai rendez-vous chez le dentiste pour enlever les fils. Et après j'ai rendez-vous avec mes parents qui ont des problèmes informatiques. Donc ben voilà, bisous à tous ceux qui y sont. Et puis ben, je serai là la prochaine. Bisous. C'est l'heure de la picole, voilà. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire ici, jeune homme? Je viens chercher le poil et des bites. Ok. J'ai l'impression que tu es une capote géante, Emmanuel. Ou un gros préservatif géant, ouais. Ouais. Allez, on rentre à la maison. Bisous. La garde. Mais attends, tu es sur la balance il y a un instant et là tu t'es rhabillé, on voulait voir ta teub. Et du coup, tu pèses combien? Il s'est marqué 130. Non, ça c'est la vitesse. Ah, tu pèses 84 kilos, mais à 130 km/h. Voilà. Ah, ok. Bon, bah, on va se coucher. Oui. Bisous. Au revoir, à demain. Hello, c'est mercredi. Et comme demain, on part à Dublin avec Dominique, eh bien, j'ai fait mon sac. J'ai acheté également un convertisseur pour pouvoir brancher mon chargeur de téléphone là-bas, parce que je prends que ça, je prends pas le PC. Et voilà, aujourd'hui encore une petite journée à rien branler, à part j'ai télétravaillé, mais mis à part ça, j'ai rien fait de super intéressant.
Donc je vais faire déjà le montage de la semaine, du rien d'intéressant d'avant. Et puis demain je me lève quand même à 3h pour aller prendre l'avion. Donc je vais pas me coucher très tard. Bisous. Eh bien, comme je prends du Doliprane, je regarde la notice. Et ici, à la fin, il y a marqué « Chaque boîte contient 8 ou 100 comprimés. » Donc en France, on pourrait trouver des boîtes de 100. C'est fou, ça. C'est pas mardi. C'est pas mardi, Pierre. Je suis comme vous au bar. Ça va bien, merci. Parce que Xavier, il a oublié des choses. Alors... C'est pas tôt. C'est pas tôt. Je vais demander au bar. C'est bon, je les ai. Elles étaient pas dans les boîtes. Elles étaient en dehors. Je vais demander au bar. Bonjour. Ben voilà. On est jeudi. Il est quasiment 3h du matin. Après cela, il est 2h50 et quelques. Il y a l'Uber qui va arriver à un moment donné. Et je vais aller à l'aéroport pour rejoindre Dominique et prendre l'avion. Bisous. Ça pique un peu, hein. Je suis allé me coucher de bonne heure hier, donc ça va. Bisous, bisous. Voilà, il est 3h30 du matin. La nuit est très très calme. J'attends mon Uber. Voilà, je suis arrivé à l'aéroport. Bon, je suis assez en avance, mais bon, comme ça, pas de stress, j'ai bien le temps. Je vais voir où est Dominique. Je pense qu'il n'est pas encore là. Peut-être passer la sécurité, puis l'attendre à la porte D, comme Dublin. Je viens de me connecter à Facebook et je viens de voir que c'était mon anniversaire, j'avais oublié. Bon anniversaire à moi, bisous. Ça y est, je suis arrivé à la porte d'embarquement, la D14. J'ai une bonne heure et demie d'avance, je crois. Maintenant, j'attends Dominique. Et après, direct sur Dublin. On est installé, on va décoller. Ouais. À plus à Dublin. On est bien arrivé à Dublin et maintenant on va chercher la navette pour aller en cette commune. Voilà. Voilà, on est arrivé dans le centre de Dublin. Je suis en train de faire pipi, j'en voulais, puis on s'est arrêté dans un café pour prendre un café, manger un peu. Parce que, mine de rien, on s'est levé tôt et on a faim. Et après, on va aller à l'hôtel. Ça y est, on est arrivé dans la chambre. Et on a des lits superposés. Ouais. Alors, comme je suis actif, c'est moi qui rends haut. Ouais, ouais. Le repas est terminé, maintenant on va se promener. On est rentré se reposer, on a fini de se reposer, maintenant on va aller boire des bières. A plus tard.
je dis fin de soirée. Et c'était très bien, mais on se réserve pour demain. Hello, deuxième jour à Dublin. Aujourd'hui, on a prévu de manger, baiser au sauna et ensuite d'aller dans les bars pour picoler. Bisous. Alors on est rentré surposé, on s'est reposé, maintenant on va aller manger et après on va aller baiser. Comme ça le programme sera bien entamé. Manger, manger, manger. Baiser, baiser. On a bien mangé, maintenant on va baiser. Niquer, niquer, niquer. On en a fini avec le sauna, c'était plutôt pas mal, et maintenant c'est un petit café italien et gourmandise. Coucou, c'est vendredi soir. Voilà, on sort de l'école, il fait soleil, demain il pleut. Voilà, bon ben j'espère que tout se passe bien pour le petit Xavou. Et puis ben on va voir comment ça se passe. Bisous. Say yeah.
that she said, but when you return, you get married. What will you return? You get married. The broken shells make Christmas bells. If I said, well, get married, let me be sure I have. I'll never know. Stay be quiet, let me be sure I have. I'll never know. Stay be quiet, let me be sure I have. Bon, c'était super fun. Maintenant, on va aller manger et on va enchaîner avec la deuxième soirée. La deuxième soirée ? Ben oui. La deuxième partie de soirée. La deuxième partie de soirée. Papour, c'est en train d'installer l'ordinateur pour qu'on puisse regarder Danse avec les stars. Ça t'a plu, les épisodes précédents ? Ça dépend. J'adorais le premier, en tout cas. Keyona a été fantastique. Bon, ben, on regardera ce qu'elle fera tout à l'heure. C'est le troisième jour à Dublin. On a à peu près le même programme qu'hier, sauf qu'en plus, on a une balade en bus. Et donc, vous allez voir tout ça. Bisous. Et il pleut sa mère. Il faut être mouillé aujourd'hui. Le bus tour, c'est fini. C'était bien, mais quand même un peu loin à la fin. Dominique est parti se reposer parce qu'il est fatigué. Et moi, je vais au sauna. Bisous. Et voilà, on fait les cours. Je suis parti. Maintenant, je vais chaperonner des drag queens. Et ça maraude, pour aussi direction. Et c'est parti pour la picole du samedi soir. Ouais. On est rentré se reposer un petit peu après les bars et après avoir mangé. Avant de ressortir pour la soirée de l'élection de Mister Ours Dublin. Début de la soirée. Oh.
c'est la fin de soirée. On va aller se coucher. Bisous.